Et yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois sur Minecraft. Bon, j'ai pris le forgeron parce qu'il est classe. Et je vais vous présenter une map que j'ai créée vendredi ou samedi, je sais plus. Alors cette map c'est en mode survie, mais j'ai installé une carte de triche du coup. Voilà. Du coup, si j'ai un grand stock dans les coffres, c'est un peu normal. Donc ici c'était un bloc. Alors, je vais sortir déjà. Alors ici, c'est un bunker. Au début, c'était un gros trou de terre. On savait pas comment il a été créé. Du coup, on s'est installé, on l'a un peu amélioré. Et là, vous voyez, j'ai fait un petit tunnel où j'ai fait trancher de l'infanterie. Et là, j'ai mis attention mine parce que j'ai mis des bombes et après je mettrai des plaques de pression. Alors cette map j'ai fait avec un copain et pour mettre les plaques de pression j'attends mon copain pour qu'il voit quand même les dégâts. Donc ici il y a un portail du Nether. Alors les deux cratères c'est des creepers que j'ai fait exploser sans mourir. Donc là vous voyez deux bâtiments. Alors la maison et l'église. Alors ça c'est l'église qui est en travaux. Donc assez grande et dès que l'église sera terminée, eh bien je referai une vidéo pour vous montrer ce que j'étais en train de faire après. Alors voici ma maison, je vais la faire visiter. Avec rien dans les coffres. Et là, j'ai mis du foin pour faire... comme dans des maisons du genre paysan, ça sert à se réchauffer, enfin, voilà pour la décoration si vous voulez. Et là vous voyez un autre bunker où j'ai mis de l'herbe, des herbes agrippantes. Donc là c'est les coffres que j'ai moi-même fait. Du coup voilà pour commencer. Là j'ai fait une tranchée de l'infanterie. Encore une fois. Donc voilà. Alors, là, il faut savoir que j'ai fait. On va comme ça, on tire. Et si jamais il y a un archer, vous mettez là et puis vous êtes protégé. Mon copain a fait exactement pareil comme tunnel. Par contre, comme on peut voir de l'extérieur pour voir l'intérieur, il n'a pas fait de protection. Et normalement dans la prochaine vidéo, il devrait jouer avec moi. Et on parlera via une application pour se parler. Du coup là j'ai mis attention éboulement parce que j'ai fait sauter des trucs et puis il y a du gravier. Du coup voilà. Donc là je les ai tous. Allez. Donc là vous voyez une tente en paille. Alors c'est un campement. Je vais vous montrer le nom. Hein. Campement CH001. Dans le coffre j'ai mis ça. Alors voilà, c'est si jamais il commence à faire nuit. Et dans cette petite forêt de montagne, j'ai mis de la TNT avec des plaques de pression. Et comme vous pouvez voir, là il y a une TNT qui a explosé avec une plaque de pression. Alors à mon avis c'est un mob. Là je vais aller dormir pour éviter que ça explose. Encore une fois. Du coup là j'ai mis des arbres juste pour que ça pousse et puis ça soit camouflé. Après j'ai découvert d'autres grottes mais juste pour récupérer du fer et puis je vais pas aller vous les présenter, hein. C'est trop loin. Du coup le village je l'ai fait de ce côté avec mon ami. Je lui ai dit qu'on allait faire de ce côté parce que déjà il y avait une petite mare, du coup ça peut être sympa.
Et il y a combien qui m'ont reçu à ma maison parce que mon ami était en train de s'occuper de son bunker et puis il était allé dans la forêt là-bas où il y a la TNT que j'ai ajouté juste après. Et dans les heures, j'ai tué des cochons zombies. Et je crois que c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Parce que sur War Robot, il y a eu une mise à jour. Allez, ciao ciao!